Moi j'ai vécu là pendant 10 ans, je suis arrivé en 2001. On est reparti au juillet 2010, donc il y a à peu près un an. Donc voilà, maintenant ça fait drôle de vouloir démolir hein, une partie de la vie qui s'en va en poussière. Et puis voilà, on était proche de tout, donc entre voisins on se connaissait, donc c'était vraiment sympa. Bon, maintenant ça change et puis le quartier se rénove et voilà quoi. J'ai grandi ici, j'ai vu toute ma jeunesse et c'est vrai qu'avec les voisins tout se passait super bien. Ça allait, j'ai jamais eu de problème. C'est vrai que j'ai vu l'immeuble depuis toute petite. Oui, bah, dans le bâtiment, pour nous, là, avec tout ce qu'on a eu, on a eu des bons voisins et on a vécu très bien là, dans l'ensemble de tous. Autrement, il ne faut pas plus d'en dire. Vous regrettez qu'il soit démoli? Ah oui, là la question de ça, oui, parce que franchement, c'était le meilleur des bâtiments qui n'est pas là dans les environs. Alors, ça c'est sûr et certain. Nous sommes dans un quartier en pleine transformation, c'est le quartier de Saint-Cyprien à Poitiers. Nous démolissons un immeuble qui est assez ancien et qui est en mauvais état pour le remplacer par 60 nouveaux logements neufs. Dans ce quartier, nous faisons une réhabilitation totale et nous allons transformer une grande barre d'immeubles en résidence intergénérationnelle pour pouvoir accueillir toutes les populations. Ce sera accessible et en plus, sur le plan énergétique, ce sera en classe A, c'est-à-dire le meilleur.